Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 44e épisode de Dexai en Normandie, toujours avec l'empereur Turold, le débonnaire. Alors, entre les deux épisodes, j'ai repris un petit peu, vous vous souvenez que j'avais fait une petite erreur, j'ai corrigé mon erreur, je me suis permis de recharger. Il s'est rien passé depuis, tout est redevenu pareil à l'identique, donc voilà, parce que je trouvais ça un peu con quand même. Il est revice-roi, hein. C'était vraiment du misclic, hein. C'est pas comme si il s'était passé quelque chose, j'avais rechargé, parce que voilà. Voilà, là on est vraiment dans du misclic, donc j'ai corrigé, maintenant il est bien vice-roi, et pas plus. On a toujours une menace sur nous suite à notre dernière guerre. Le conseil est insatisfait. Alors oui, c'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est un petit souci là. Faut pas se tenir compte de ça. Oui, donc du coup j'ai repris des gens qui m'aiment bien. J'ai changé un petit peu mon conseil. Et dans la foulée j'ai voté la souveraineté du dirigeant pour les emprisonnements. Cela dit, ça me dit qu'il vote non, mais c'est parce que le vote est pas fait. Moi j'ai vu que ça marquait qu'il voterait oui. L'idée, ça va être de repasser en dirigeant là, dans tout ça. Ce qui va me débloquer la déclaration de guerre que je pourrais remettre en dirigeant. Ensuite je vais abolir le pouvoir du conseil. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je pense que je passerai ma loi, excusez-moi, je suis à la rue, voilà, qui permet d'interdire la guerre externe vassaux. Parce que pour ça, il faut avoir l'administration impériale. Pour avoir l'administration impériale, il faut le pouvoir absolu. Et pour avoir le pouvoir absolu, il faut d'abord avoir la déclaration de guerre et les emprisonnements. Donc petit à petit, on va affaiblir le conseil, on va tenter de faire ça. Et on verra bien. J'ai également enlevé un des deux duchés de ce monsieur. Alors sans lui demander son avis, hein. Ce qui fait que par contre, ouais, je vais me taper une tyrannie pendant presque 30 ans. Ça fait chier, ça fait encore des malus, mais c'est pas grave. Là, je voulais vraiment l'affaiblir. J'ai quelques personnes qui vont pas bien m'aimer, mais globalement, ça va. Sachant que si je prends, je sais pas moi, lui par exemple. Vous voyez, révoquer des titres de vassaux dans 5 ans, c'est réglé. Lui, en même temps, c'est pas le meilleur exemple. Bon, j'ai toujours la grande vérole, je la trimballe pas mal d'ailleurs. J'ai toujours les sales rumeurs. Les sales rumeurs vont partir aussi bientôt, donc bon, vous voyez, ça va compenser. Mais voilà, lui, il était vraiment trop puissant, ça devenait un peu le bordel. Alors par contre, je pensais qu'en lui supprimant son duché principal, enfin, en lui supprimant un de ses duchés, ça allait enlever... tous les autres trucs qu'il a, donc non, c'est pas le cas. Donc prochain objectif, un de ces quatre, c'est carrément de lui enlever tous ses titres de duc pour pouvoir récupérer tous les comtés là et les redistribuer proprement. Bon, clairement, si je veux, je pourrais le faire, hein, ce qui diminuerait de moins 15, mais on va attendre un petit peu, je vais le faire bientôt. Puis voilà. J'ai refait un point aussi dans tous mes vassaux, parce que j'avais des vassaux qui étaient plus... qui étaient sous moi, mais qui n'avaient rien à faire là. Et par contre, ben malheureusement... Ah. Excusez-moi, j'ai éternué, je vous ai épargné ça. Pourtant j'avais regardé, il me semble que j'étais arrivé à enlever. Je retombais en dessous de la limite en enlevant encore un ou deux comtés qui n'avaient rien à faire là. Mais visiblement pas, parce que pareil j'avais des baronnies qui étaient sous moi mais qui n'avaient rien à faire là. Parce que le problème c'est bien beau hein, de se rajouter des... Moi le but c'est que j'aurais récupéré toute la Normandie en fait. Mais du coup ça me fait encore plus de vassaux. Alors après le fait justement de passer aussi l'impérial me donne plus 25 de vassaux hein, donc ça c'est carrément indispensable, donc il faut vraiment que je le passe. C'est pour ça. Alors sinon c'est à peu près tout. Pas mal de revendications, mais de toute façon pour le moment on peut rien faire. Ouais, je manque de commandant. Enfin, j'ai une place pour un commandant. On va prendre lui qui est pas mal. Enfin il a une bonne note. Le sénéchal, qui on va nommer? Je vais prendre des gens qui m'aiment pas trop, mais qui sont pas loin de bien m'aimer, genre le duc de Cornouailles. Hop, elle sera gardien des signes. Et le grand aumônier, on va nommer bah, le duc de Gloucester. Alors, pareil, il y a des duchés, bon, vous avez pas forcément vu, parce que pareil, je vais libérer pas mal de prisonniers aussi, parce que j'en ai pas mal. Je crois que j'ai divisé encore un ou deux duchés, enfin voilà, j'ai fait des petites choses, hein, j'ai réorganisé quelques petits trucs. Donc bon, ces derniers jours, mon fils Turold s'est tenu loin, s'est rendu fréquemment au cabinet. Ah ben, on va appeler le physicien, on va passer en vitesse 3. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui vont payer des petites rançons. Ah oui, c'est vrai, j'avais une rébellion en cours ici. Ah bah oui, c'est bon, j'avais envoyé mes troupes, j'avais complètement oublié que j'avais ça qui était en cours.
Voilà, 100% offrir la paix, oui. Bon, on va l'exécuter, hein, classique. Hein. Hop, hop. On va ranger les troupes. Des fiançailles, le vice-roi de notre truc qui veut ma fille. Alors non. Carrément pas. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas marié ma fille. Est-ce que je pourrais faire une alliance assez sympa? J'ai pas regardé ça. On pourrait carrément s'allier au Saint-Empire, hein, bien évidemment. Bien qu'il va peut-être pas vouloir. Hein. Lui le premier, à mon avis, pas sûr qu'il soit bien chaud. Bon, déjà, il a qu'un enfant, il a que des filles. Donc, ça commence mal. Alors après, là, sur une de ses filles, on pourrait peut-être faire une fiançaille avec un de mes garçons. Enfin, mon principal, par exemple. Ouais, écoutez, voilà, je m'en doutais. Il veut pas, parce que les intérêts politiques, ça, c'est le problème. Après, on n'a pas grand monde, hein, vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué l'autre fois. Hein. C'est... Ouais, si, après, si, je peux le faire avec des ducs assez puissants, du Saint-Empire. Si, ça, c'est vrai que c'est intéressant, par contre. Mais c'est tout, hein. Par exemple, lui, sacré duché, lui. Hein. Enfin, il a, ça veut dire, il y a pas mal de duchés. Hein. Bah, il a un seul fils, et c'est déjà trop tard. Lui, à mon avis, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, ok. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Hein. Ah, héritier du duché de Saxe. On pourrait arranger un fiancé. Il a quand même pas mal de troupes, lui. Hein. Oui. Bon, c'est vrai, prestige 7 pour l'Union. Ouais, bon, on perdrait un peu de prestige, mais ça, on va s'en foutre. Hein. Ça va créer un pacte de non-agression. On pourrait faire une petite alliance derrière, c'est intéressant. Voilà. Matrilinéaire, je pense qu'il peut aller se faire voir. On est d'accord. Voilà. Ça va nous faire une alliance avec le duché de Saxe. Pourquoi on va faire une alliance avec notre femme? Non. Je crois pas, il y a un pacte de non-agression, c'est tout. 6 ans de Saxe, lui je sais pas pourquoi. Ah bah si, oui, d'accord. Ouais, après on a des trucs contre nous. Par contre, je crois que j'ai l'impression qu'on a plus de... pacte défensif musulman chrétien. Si, ouais, le sultan d'Andalousie. Bon. Faut voir. Alors, le duc de Saxe, on va forger une alliance. Il veut pas. Oh, bah c'est parce qu'il m'apprécie pas assez, mais on va aller le... On va aller faire ce qu'il faut. Il suffirait, je pourrais même lui envoyer de l'argent, hein, mais... non, ça coûte cher. On va améliorer les relations avec lui, on va essayer, et puis... ma voix, ma truc... Ah, mais pourquoi ils me soutiennent pas, tous ces gens-là, là? Bah, je croyais que c'était des gens qui me soutenaient, du coup. Ah ouais. Ah bah non. Bah, je vais me faire... Pourtant, ça me marquait partisan. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux annuler le vote? Non, je peux pas. Hein. Ah bah, je me suis bien fait arnaquer sur ce coup-là, tiens. Ah, 10 ans, quoi. Bah tant pis. Hein. Bah ouais, bon bah j'étais persuadé que j'avais pris les gens qui m'aimaient bien et que j'avais regardé, que j'avais marqué partisan. Seulement comme j'ai fait ça la dernière fois et que j'ai sauvegardé depuis et que je rejoue qu'aujourd'hui, ben soit j'ai rêvé, je peux pas le vérifier. Bon bah écoutez, désolé. On va pas pouvoir faire ça tout de suite. Il voudrait épouser une courtisane à moi. Oui, oui, bah accepter, ça lui fait plaisir. Le duc d'Aquitaine, bah c'est con, je viens de le nommer lui. Bah, il se fout de ma gueule quand même. Je viens de le nommer, normalement il m'aime bien. Bon, après. Ouais, mais c'est bon, je peux plus le faire, non, ça a annulé automatiquement. Ça va, rien de bien méchant au final. Alors quel âge il a? 41 ans, je me demande si on va pas essayer de lancer, d'économiser pour lancer un grand ouvrage, je trouve que ce serait très classe. On voit quand même ce que ça fait, hein, parce que c'est vrai que... Le duc de Haute-Bretagne, vice-roi de Badajoz, ah oui il a épousé elle, ah, d'accord. Bon je pense qu'il va arrêter de lui-même aussi. Il y a intérêt. Voilà, je pense que là, du coup, il va bien vouloir arrêter. Voilà.
Allez, on continue avec une révolte paysanne. Cette fois-ci, c'est en Angleterre. Alors, faut que je fasse gaffe quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est la consomption qui arrive en Angleterre? Et on a la variole qui arrive en Bretagne. Très bien. Je ne sais plus qui sont mes grands... ceux qui ont pas mal de troupes. Peut-être ici. Ouais. Ici aussi, éventuellement. Bon, déjà avec tout ce monde-là. C'est vrai qu'elle est même pas trop, hein, mais bon, c'est un peu ma faute aussi, je l'ai viré du conseil. C'est pas grave. Ma femme qui a fait une alliance avec le duc de Flandre, c'est un peu n'importe quoi ça, ma chérie. C'est pas très très intelligent, j'ai envie de dire. Et puis on continue de remonter notre escorte petit à petit. Hop, 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 hop. Bon, marqué 6, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, le duc de Paris, ouais, c'est bien. On va. Bah, apparemment, faut qu'on ferme les portes. Je confirme, on ferme les portes. C'est parti. Bon, là, on va tout simplement les écraser. Hein. Puisque je suis considéré que ma cour, mes tentatives pour apaiser le duc doivent être interrompues. Bah oui, malheureusement. Hop là. Ouais, voilà, je préfère. Une fois de plus, hein. Voilà. On range l'armée. Et ma femme est à nouveau enceinte. Bah, décidément. Donc, on a d'autres filles. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme alliance quelque part? Alors, essayons, hein, tant qu'à faire. Donc, arbre hiérarchique, on en était, je crois, de mémoire, au 3e ou au 4e. Hein, on en était pas... non, au 5e, peut-être, lui. Je ne sais même plus. Il y a pas mal de troupes, lui aussi. On pourrait arranger des fiançailles avec un de nos enfants. Alors, elle est comment? Elle a 6 ans, allemande. Ouais. Arranger des fiançailles avec notre deuxième fils, Gaillard. Il accepterait. On va faire ça. Ça, on n'a pas trop le choix, hein, à part prendre des ducs. Il n'y a pas beaucoup qui ont des enfants, donc. Faudrait que je cherche une fille pour mon fils. Mon fils, quel âge il a? 9 ans. Monde. Marié, non. Ma religion, ouais, mon groupe culturel, on va essayer. Et marié, non. Sexe, femme. Pas mettre enfant, et ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'on aurait qui est pas mal? Ah, elle est normande, elle est vivace. Ah là, la consomption, ah punaise. C'est pas grave, je vais mettre une petite étoile sur elle quand même, on va surveiller. Tant pis, hein, si c'est pas des gens qui ont un grand grand trait... Éventuellement Guillaumette, oh là ce prénom quoi. Génie Occitane, 13 ans. Ah, c'est encore mieux ça. Ah ouais, on va sûrement se taper du prestige, hein, mais enfin, c'est lui surtout, mais bon, on s'en fout. Bon, on va faire ça, tiens, on va prendre quelqu'un qui a le trait génie, ce serait pas mal. Ok, donc j'ai hérité du royaume de Valence. Ouais, ok, ok. Donc, qui est devenu duc de Valence? Duc de Berry. Ouais, mais elle a rien à faire, elle a rien à faire sous lui, là. Ah ouais, mais c'est encore quelqu'un qui a deux comtés, ça. Duc
Cancel de Valence, il a 17 ans, il est fou. De... On va lui accorder à lui le royaume de Valence. Voilà. Ouais, ça devient forcément un vassal puissant. J'ai plus de chancelier. On va prendre le baron parce qu'il voulait devenir conseiller en plus. Alors, juste pour voir, est-ce que là j'ai des choses? Ouais, je peux revendiquer pour certaines personnes, effectivement, mais j'ai pas mon propre. Un de ces quatre, lui, il faudra vraiment que je lui déclare la guerre pour récupérer tout ça, parce que. Il m'emmerde, le roi de Hongrie, là. Ça, est-ce qu'on a une revendication sur ça? Pas de revendication directe, on va fabriquer une revendication pour récupérer ça. Voilà. Je pourrais emprisonner le duc d'Anjou. Ça sert à rien. Ah, toi par contre c'est intéressant parce que t'as 3 duchés, ça pourrait t'affaiblir. Ah, le conseil est contre. Alors pourquoi? Il est pragmatique. Lui... Ouais ok, faudrait que je vire... Bah oui. Bah oui, il va pas... Bah oui, non, il veut pas. C'est mon intendant. Eh bon, hop, on va régler le problème. Toi. Voilà. On a toujours 1%, mais au moins là c'est accepté. Donc là, il va y avoir une belle rébellion, mais c'est pas grave. On a quand même déjà pas mal de troupes. On a quand même des troupes, hein, toujours autant. Donc il n'y a pas de souci. On va garder quelques troupes là pour faire des sièges ici. Parti. Ensuite, je crois pas qu'il y ait de rebelles par là, donc on va les ranger. Pareil pour l'Irlande. Là, on va venir ici avec ça et ça. Ça, on va l'envoyer là-bas. Ça, ça fait des sièges un peu partout. Ah, si on peut lui retirer des titres, hein, il faut en profiter, c'est le moment. Hein. C'est, voilà, ça, c'est un peu galère, mais... On va essayer de les intercepter un peu plus loin. Passer beaucoup de temps avec très peu de personnes, vous trouvez que Aedfrid sort du lot. C'est un ami, c'était un courtisan de 32 ans, ouais, il est tout pourri, il a le cancer, c'est bien. Ça c'est de l'ami qui va être bien utile. Voilà, maintenant on va aller là. Voilà, j'ai préparé la succession, c'est bon. Donc bon, on va essayer de forger une lignée. Hein. Je peux plus faire que ça de toute façon. Donc, Par contre, j'avais fait l'érudition. Je vais peut-être arrêter parce que c'est pas terrible. Voilà, on va remonter en diplomatie. Popularité à mort. Bien que ça ne change pas le nombre de vassaux total, mais c'est pas grave. Donc là, tac, on sépare en deux. Une armée là qui fait des sièges. Le marchand vénitien Marco Polo est enfin de retour en Europe après de nombreuses années en voyageant en Extrême-Orient avec son père et son oncle. Un compte rendu de leur périple a été publié sous le nom des voyages de Marco Polo, décrivant entre autres choses les fabuleuses terres lointaines de Cathay et Manji. Les lecteurs ont un aperçu du monde de l'au-delà de l'Europe, mais il y a ceux qui considèrent la chronique entière comme une affabulation. Un conte épatant néanmoins.
Certes. Eh bien, on a encore un fils, Arnald. Eh bien, on va laisser ce nom-là. Bon, là, on n'est pas assez pour faire un siège en bas, là. Ouais, non, mais de toute façon, on peut plus. C'est vrai que comme on a le royaume, on peut plus lever les troupes indépendamment. Ça lève directement les troupes du royaume, je crois. Je peux aller sur chaque comté pour le faire, puisque les troupes ne sont plus à nous. Enfin, elles appartiennent à notre vice-roi. Ça simplifie un peu, on va dire. Bon, après, peut-être qu'ici, est-ce qu'ils auraient moins de troupes, peut-être par là? Je sais plus où c'est que je peux le voir, ça. Ravitaillement. Non, je sais pas si c'est le ravitaillement. Non, c'est pas le ravitaillement. Je sais pas si on peut le savoir, le nombre de troupes. Si, ouais. Ah, c'est une levée de troupes, alors. Je sais pas si je peux voir exactement combien... Ah ! On va aller voir, là. Si on peut pas faire le siège plutôt ici ou l'autre. Si on est assez nombreux. Ouais, on est assez nombreux. Oh, ouais, pas grand-chose, mais bon. On a un traître, le duc de Gloucester. On va l'emprisonner. Maréchal découvert Arnald. Ouais. Faudrait que je le nomme commandant, lui. Bien avoir quelqu'un qui sert à rien, bon, on a de la place surtout. Bah ouais, mais je le retrouve déjà plus le gars. C'est déjà fait peut-être, non? Ah bah oui. Ceci explique cela. Mon fils de 6 ans, que plutôt maître espion. Ouais, on va faire le conflit, ouais. Peu importe. Voilà, on continue de faire des sièges, hein. On affaiblit tout ça. La fièvre est retombée. Non. Mais je vois encore des ombres rondées dans le coin, on devient lunatique. Ouais. Bon, après, ça va bien avec le personnage, mais c'est toujours chiant. Attention quand même aux factions, hein. Ça va, mais attention. Un petit assaut ici, voilà. Un saint très passé, ben Geoffrey l'ombre, 35 ans, il est mort de quoi? D'anxiété morbide, ouais. C'est moche. Merde, non, il reste là. 96%, hein, de toute façon ça va passer à 100 à un moment. Siège de Paris, mais pourtant Paris ne s'est pas rebellé. Je comprends pas trop là. C'est pas grave. Et nos deux filles, il y en a une qui sera comme ça. Et puis l'autre, elle sera comme ça. Pas très très important. Elle est bossue. Ah. On va tout avoir. On peut rouvrir les portes? Non, on peut pas ouvrir les portes encore. S'il y a plus de maladie à Caen? Bah alors on rouvre les portes. Hop. Allez hop, terminé. Sans que la boisseau peut être dissuadé d'intégrer une faction. On va la menacer. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est assez aléatoire hein, comme truc. Voilà. Ouais, non, je refuse, c'est moi qui fais le truc. Parce que je sais jamais la différence. On va perdre du prestige. Le duc. Voilà. Est-ce qu'on peut révoquer des titres? Ok, on peut. T'en as des trucs, toi. Hein. Alors, hop. Le duc de Champagne. Deux jures, c'est ça. Et là, c'est ça. Ouais.
Sinon, t'es duc de Picardie. Ça encore, je trouve ça pas mal. Mais sinon, duc de Tanger. Ouais, ça, je te laisse. Je vais lui enlever... On va lui enlever son duché de Champagne. Voilà. Je pense pas qu'on puisse en révoquer d'autres. Ah si ! Ah si, alors combien ça, j'en sais rien par contre, mais il faut que je fasse attention. Les comtes de Champagne, comtes d'Amiens, comtes de Carcassonne. On va lui enlever le duché de Picardie. Ah ouais, là c'est bon. On lui enlever deux duchés. Bon ouais, écoutez, c'est déjà pas mal. Maintenant il est plus que duc de Tanger. Ce qui veut dire... Ok, donc ça veut dire que c'est bien, on a récupéré un paquet de trucs là. Alors, le duché de Champagne. Aujourd'hui c'est ça, deux jours c'est ça. Sancerre par contre, ça revient au... deux jours, non mais sans... Attendez, on recommence. 103, oui. Ah ouais, mais t'as deux titres toi. Oh là là, vous êtes chiants les personnages à avoir deux titres de compte. Si je le révoque, je suis dans la merde. C'est compliqué, hein. Je peux pas passer le duché de Champagne en partage salique, non. Il est à moi, mais ouais, bon, je peux pas. Bon, le duché de Champagne. Ben, on va le donner à elle, en fait. Puisque 3 est en Champagne, et ben allez, tiens. Toi, tu seras duchesse de Champagne maintenant. Comme ça, c'est bien. Je peux lui demander de passer en partage salique ou pas, ou c'est déjà le cas. Comme elle a plusieurs enfants. Duché de Champagne, comte de 3, voilà. Et le comte de Sancerre, c'est lui. Parfait. C'était la chose à faire. Allez, ça c'est bon. Ensuite, on a un deuxième duché à donner que je ne veux pas, le duché de Picardie. Deux jours, c'est ça et ça. Ok, ça aujourd'hui, ça appartient à moi. Parfait. Et ça aussi. Ouais, alors ça, ça appartient à lui par contre. Duc de Toulouse, duc de Champagne. Duc de Champagne. Ah ouais, ouais, parce que sa femme... ouais, ok. Très bien. Son fils récupérera le duché d'Auvergne, comte duché de Toulouse, comte d'Aubry, Aurillac, Clermont. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Bon, alors, du coup, le duché de Picardie... bon, soit je le donne à lui. Il est déjà duc de Bourbon, lui. Oh là là là. Pff, c'est compliqué, hein, franchement. C'est un peu compliqué. Du coup, non, plus. Parce que lui, il est encore comte de Champagne. Alors, c'est pareil, lui, j'espère que ça va. S'il a d'autres enfants, ça va se redispatcher. On pourrait le bannir, mais bon. On va le libérer, tiens, ça va. Il va pas être content, hein, mais. Au moins, il pourra refaire des enfants. Et puis, ouais, là-bas, il m'inquiète pas trop. Ranger les troupes, tant qu'on y est. Moi, je m'embête. Hop, hop, c'est plus rapide. Voilà. Ouais, et donc, du coup, bah, le duché de Picardie. Deux jours, c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est ça. Vermandois, t'es comte, toi, le petit comte de 15 ans, là. Eh ben, allez. C'est à toi, le duché de Picardie. Sachant que ça, je vais le transférer. Transférer le vassalage. Bourbon. Attends, je peux pas le faire, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il est duc, putain, mais oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Ok, bah
C'est pareil, ouais, quand vous voyez que lui, il est vice-roi et il a ça, le truc d'Anjou. Je comprends rien. Je comprends pas toujours tout, mais bon, bref. Le duc de Gloucester qui se fait enfermer se plaint de sa cellule qui lui croupisse dans les oubliettes. Allez. Bon, la vice-reine, je m'en fous. Et là, ça vient mettre de la connaissance. Hein, pourriez-vous me donner le titre de comté de Mortain? Ouais, bah, va te faire voir. La duchesse de Bayeul la duchesse de York. Non, non. Allez, hop, les oubliettes. Moi, j'ai pas de pitié. Hein. Allez, tout le monde va là-bas. C'est l'escorte. J'ai toujours une menace sur moi. Oui, hein, y a toujours de la menace sur moi. Oh, oui, gros pacte sur moi. Ça aurait été peut-être bien, je veux dire, qu'on recherche un... Vice-roi de Valence a usurpé la baronnie de Loire. Ouais, ils ont tendance à devenir un peu plus puissants, mais bon, tant pis, hein. Je peux créer le titre du royaume d'Aragon. Ah, c'est intéressant. Sauf que lui, du coup, ouais, il est devenu trop puissant, quoi. Ah, il a tout ça. Si, par contre, quand je récupérerai, ce que je ferai quand lui va mourir, que je récupérerai le titre, à ce moment-là, je pourrais créer le royaume d'Aragon et redispatcher tout ça. Ouais, on fera ça. Ah merde, je suis en pause, excusez-moi. Par contre, ouais, je recommence à avoir des malus là. Je vais reperdre des troupes de vassaux. Puis alors là, ouais, je me suis bien planté. Ouais, après, comme d'hab, hein, les comtes se font plaisir. Hein. Bon, après, tant que ça reste dans le duché, je m'en fous, mais. On va recréer une escorte, celle-ci est quasiment terminée. On va pouvoir la renforcer un peu plus encore. Voilà. Ouais, une fois de plus, hein, j'espère qu'il faudra que je contrôle entre deux parties. J'ai pas trop de vassaux. Le duc d'Aquitaine vient me voir avec une solution. Je pense que le duc Drogo de Paris ferait un excellent commandant militaire. Voilà, on l'a nommé commandant. On risque de perdre des vassaux si notre personnage meurt. Ouais, ça, c'est un peu con par contre. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Toujours pas vouloir. Je peux même pas le proposer de venir. Hein. Tchik tchik tchik. On peut organiser un banquet, tiens, on va le faire. Un saint a fait passer. Les danseurs, danseurs pour nous, ouais. Les danseurs. D'agrandir le territoire, moi ça me va bien. Hein. Alors j'espère que. Contre le sultan de Léon, bon ça va, si elle est que contre lui, ça va. Ah, on a visiblement rompu. A révoqué des titres de vassaux, ouais, à mon avis, roturier, la grande vérole. Ouais, bah ça, je sais que j'ai la grande vérole, mais pour moi on peut pas jusqu'à 1303. Voir un nouveau traitement. Plein de gens qui vont pas vouloir venir. Hein. C'est malheureusement classique. Et donc eux, ils appartiennent au duc de Barcelone.
roi du Pays de Galles. On n'a pas de revendication forcée. Briseur de trêve. Non, mais de toute façon, je vais pas le faire. Hein. Mais bon, rapidement, on va regarder. Ah bah, vous voyez, ouais... Lui, il a rien à faire, quoi. Enfin, j'en ai rien à faire de lui. Pourquoi j'ai lui, quoi? Le prince évêque du Roussillon. Ah, mais si, oui, non, mais si, si, oui, c'est un comte. C'est un comte, excusez-moi. Et oui, parce que j'ai pas encore de duché ici, donc malheureusement, j'ai pas le choix. Ok, ok, ok. Ah! Ok, ok. Ah, et là, hop, ça c'est pas bon. Voilà, un de moins. Un de moins, sauf que quand je les donne, vous voyez, je suis toujours à 38 sur 34. Alors pourtant, il est plus. C'est plus mon vassal. Enfin, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ça. Duché, le compte. Mal. Ouais, pareil, c'est normal. Ouais, ça c'est des ducs. Bah elle, ouais, malheureusement, pareil. Non, on n'a pas de miracle. Hein. Ainsi, il y a lui, mais pff, lui, il a trois comtés, quoi. Comté de là, comté de là. Comté de là. Demandez le partage salique. Voilà, déjà. Bon, après, vous me direz, il a pas... Ah. Ah non, pas ça! D'accord, c'est quand les personnages sont lunatiques qui peuvent faire des trucs comme ça. On va faire la loi d'arrêt des violences. Une nouvelle loi a été rédigée, des messagers sont en train de distribuer un exemplaire de cette loi à tous les vassaux. Attendu que les enfants du royaume se sont devenus insensibles à la violence, vu que la population a perdu tout respect pour le caractère sacré de la vie humaine. C'est pourquoi décrète que toutes les formes de violence à l'endroit d'autres êtres humains est hors la loi, y compris la peine capitale, les châtiments corporels ainsi que la torture des criminels des païens. Ces groupes sociaux vulnérables sont plutôt réhabilités et éventuellement relâchés dans la société. Ouais, ouais, bon, voilà, ça crée un truc pourri. Bon, alors, elle, on peut l'arrêter, on n'a pas réussi, donc du coup, elle se rebelle, donc du coup, on va lui péter la gueule, et puis voilà. Comme toujours. Donc, comme d'hab... Hop, tout ça, on va ranger. Cette moitié-là, on range, ça sert à rien. Ça là, ça là, ça. Je ne peux pas penser à tous ces malheureux captifs qui croupissent dans mes cachots, ils sont à ma merci, comme ce serait exaltant de les faire souffrir alors qu'on veut l'arrêt des violences, c'est assez drôle. On pourrait la faire souffrir, on pourrait s'amuser à faire souffrir nos vassaux, ouais. Mais non, ça va aller, on résiste. On est déjà bien détesté. Ah bah si, finalement j'ai perdu un vassau. Ah bah c'est parce qu'il y a une rébellion. Ouais, c'est pas très clair tout ça. On est assis sur le sol de notre chambre, portant l'une de nos chaussures en guise de chapeau, quand soudain un écureuil de la tête d'un homme fait irruption dans la pièce. Vêtu en servante, et alors que vous donnez l'alerte, le rongeur s'enfuit au loin dans la panique. Vous le pourchassez au bout du tolard, mais vous ne trouvez qu'une domestique terrifiée recouvrée sur le sol. Oh la vache. Y'a pas bon être lunatique, hein. Mais bon, c'est assez rigolo. Gaillard, notre fils, a écrit une chanson en notre honneur. Il veut que je sache que je suis la meilleure personne du monde. On pourrait développer un caractère idolâtre. Ouais. On obtient le trait humble.
sais rien. Ouais, on va devenir humble. Voilà. On s'en fout un peu entre nous, mais... Ok, bah la guerre djihadique a réussi, c'est bien, ça va peut-être nous faire pour bientôt une petite croisade. Parfait. Non. Le vice-roi a découvert la vérité et puis un roi des penchants du baron de Cherbourg. On s'en fout complètement. Notre fils Turold. Bah l'intrigue, ça me plairait bien ça. Après il a que deux, mais bon. Visiblement il a ce qu'il faut pour. J'aimerais bien qu'il fasse un peu d'intrigue là, ça permettrait de foutre un peu la merde avec les vassaux. La duchesse Marie de Paris a fourni des informations prouvant que le duc d'Orgo de Paris a répondu des... C'est son mari en fait. Comte de Paris, comte de Sens. Du comté de Senlis. C'est ici ça? Non, non, je m'en fiche. Duc de Lothian, on peut le menacer, ouais, on va le faire. Même si bon. On demande pardon. Les trêves expirent. Ouais, ouais, mais on est toujours une menace donc. Mon maréchal a découvert Gérard. Bon, bah, il est nommé commandant de toute façon donc c'est parfait. Princesse Agnès et le vice-roi de Badajoz ont fait un fils, ma fille. Ah punaise, non, elle a fait un bâtard, elle a trompé. Oh là 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 là. Catastrophe. Que de messages, hein, ça y va dans tous les sens. Clemenza de Conteville, l'économie, allez, ce sera très bien. Le monstre du Pays de Galles. Grande vérole, on va rechercher un nouveau traitement médical. On va bien voir ce que ça fait. Et comme on est brave, on va essayer quelque chose de nouveau. Je sais pas si c'était une bonne idée. C'était une très 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 mauvaise idée. Monseigneur, je ne vais pas vous mentir, ce sera apparemment douloureux, mais soit vous êtes fait. Vous essayez de protester alors qu'il apporte une scie, mais à cause de la potion calmante qui vous a fait boire, vous prononcez mal les mots au point qu'ils sont incompréhensibles. Voilà. Bon, bon, on va crever. Hein. On va clairement crever. C'est une mauvaise idée. Ouais, là, attention, ça va pas tarder. Le pop-up va bientôt arriver. C'était une très mauvaise idée que j'ai eue là. À la limite, si c'est une mauvaise idée, ça peut être le mot. Est-ce que c'est pas le moment d'affaiblir. Il est à peut-être. On va révoquer son truc. Il va peut-être se rebeller. Hein. C'est peut-être, je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. Hein. Ouais, il a accepté. Ok, j'ai récemment démarqué l'état déplorable de mon fils Blaise. Je viens juste d'informer que les causes et la grippe.
Alors, j'ai récupéré le duché de Flandre. Alors, je veux clairement pas le garder, hein. Putain, encore des gens qui ont trop de titres, quoi. Après, l'avantage, c'est que là... je vais arrêter l'épisode là, entre les deux épisodes, je vais revoir tous mes vassaux. Avant qu'on meure, c'était l'occasion avant de mourir, hein, potentiellement, de récupérer ça. Parce que là, il faut vraiment que je redistribue les comtés, les duchés, un peu, enfin, à tous mes ducs. Donc je vais arrêter l'épisode ici, de toute façon il est bien long. Et puis, on continuera un peu tout ça, là. Je pense que ça va être un des derniers épisodes, mais bon, en même temps, en attendant que j'ai les menaces, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas faire grand-chose. Donc j'essaye, j'en profite pour faire tout ça, quoi. Ouais, bon, ouais, on va enfermer Baldwin, parce qu'il a fait n'importe quoi. Est-ce qu'on peut le bannir pour récupérer de l'or? Oui, on va le bannir, voilà, il s'en va ailleurs. Bon, et eh ben écoutez, je vous dis à après-demain pour la suite de notre série. Et voilà, déjà on va se faire un peu de clair au niveau, avec, parce que le duc de Flandre, vous avez vu le nombre de vassaux que j'ai récupéré alors que j'ai enlevé juste un duché, bien la preuve que c'était le bordel. Allez, je m'occupe de tout ça, et puis je vous dis à après-demain pour la suite. Merci à tous, bye bye.